Il y a eu au moins 15 morts dimanche matin à Mogadiscio dans l'attaque par des islamistes chevabs d'un grand hôtel de la capitale de la Somalie, l'hôtel Saafi, un établissement fréquenté par des parlementaires, des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Le mode opératoire leur est classique, un véhicule piégé conduit par un kamikaze est lancé contre l'entrée, ouvrant ainsi l'accès à des assaillants qui investissent alors le bâtiment. J'étais sur place en train de prendre des photos quand un véhicule a explosé juste à côté de moi, raconte ce journaliste. Je me suis retrouvé à terre, je saignais, j'étais avec un confrère qui lui a été tué, j'ai de la chance d'avoir survécu. Le président somalien a il y a quelques jours demandé aux Chebab de se rendre, c'est peut-être la réponse d'un groupe qui serait divisé entre les factions fidèles à Al-Qaïda et d'autres qui auraient fait allégeance au groupe État islamique.